le gouvernement n'accepte pas, et d'ailleurs aucun gouvernement de quelconque État dans le monde n'accepterait le fait accompli d'être informé un vendredi qu'un de ces fleurons nationaux qui vit de la commande publique avec 20 milliards de chiffre d'affaires et 95 000 salariés soit vendu le dimanche soir. Aucun État ne l'accepterait. Et voyez-vous, monsieur le député, nous sommes prêts depuis le mois de février. Et depuis le mois de février, j'interroge monsieur Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ? Je voudrais vous rappeler, monsieur le député, que Alstom fabrique les turbines des chaudières nucléaires de EDF.